Marseille c'est de l'eau. 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 Eh, la vie de ma mère, on vous a bu. Attends. Hein, on vous a bu par les putes de football avec nous. Vous puez la merde, vous êtes des vraies chèvres. Des chèvres, mais sur le terrain, la tête de ma mère. Pas de couilles, vos joueurs, les gars, ils ont pas de couilles sur le terrain. Je suis désolé de vous le dire, je sais que ça fait mal, tu vois. Mais quand tu recrutes des paillettes et tu crois que c'est une star de foot mondialement reconnue et qui a gagné je sais pas quoi dans sa vie, hein. Parce que vous le voyez comme ça, contrairement à nous. Regarde Pastore. Pastore, 50ème minute de jeu. Des trucs de fou, des gestes, tac. Il peut pas faire ça à votre paillette, les gars. C'est pas le même niveau. C'est pas le même club. C'est pas le même truc. C'est pas là. Ah non, on n'a pas les mêmes couronnes sur le terrain, gars. C'est tout. Fermez votre gueule, s'il vous plaît, les gars. On peut plus parler football entre nous. Là, c'est ridicule. C'est ridicule. On peut que se moquer de vous. C'est même pas un exploit de vous mettre 5-1. Même si c'est un record historique pour nous, et je l'avais dit ça juste avant l'avant-match, là ça va être la fessée, les gars, la fessée ou rien, et on vous a mis la fessée. Ils ont joué avec les couilles, pas de supporters parisiens à Paris, c'est pas grave, il y avait des petits infiltrés, t'inquiète pas ma petite gueule, ils étaient là, mais en tout cas, hein, on était tous présents derrière eux, même à 1000 km, sa grand-mère, on était là, et on vous a baisé 5-1, et ça c'est une putain de fierté, un putain de plaisir, quelle jouissance, mesdames et messieurs. Ah, je suis bien, oh lolo, et ça parle, et ça parle, et ça parle, mais qu'est-ce qu'ils vont dire là? Le match il est truqué? Ah, peut-être que le match était truqué, hein. Ou peut-être, je sais pas, peut-être que l'arbitre était contre toi, pourtant, hein. Tous les buts, c'était des vrais buts, hein. Et des vraies passes de génie, sauf ce que vous pouvez pas faire. Les gars, ils recrutent des Patrice Evra. Il est bon qu'à faire des discours dans les vestiaires. Il est mauvais, il est nul, il est... Lucas, il l'a effacé toute la mi-temps. Rudy Garcia lui a dit, dégage. Il a mis un autre, c'est pareil. Vous êtes pourri, Rolando, au bout d'un moment, il fait un passement de jambe pour la minute de la défense. Les gars, c'est quoi, c'est... Ils sont pauvres, est-ce que j'arrive bien à parler, sa mère, tellement ouh. Mais est-ce que ils sont footballeurs professionnels, vraiment? Parce que sur le terrain, on dirait pas. Tu mets une district ou une PH, la vie de ma mère, ils vous brisent en mille. Vous êtes de l'eau, les gars, pour nous. C'est pour ça qu'on dit Marseille, c'est de l'eau. On vous chambre, c'est vrai que ça fait mal, mais c'est la vérité. Il faut accepter la vérité. Vous êtes nuls, mais vous êtes pourris, et il n'y a plus de rivalité. C'est comme ça. Franchement, les gars, la vie de ma mère, vous me faites grave de la peine. Quand je vois tous les supporters, ils partent du stade au bout de 5-1, tu vois, un classico. Tu dis, je le gagne, je relance ma saison. Pendant que nous, on torche des Barça et vous parlez de match truqué, nanani, on vient chez vous, on vous met 5-1. Allez, ferme ta gueule. On nique le Barça 4-0, mais on vient chez vous et on te met la fessée aussi. Ah, c'est parfait ça. Tous nos joueurs étaient bons, il n'y a même pas de flop, il n'y a même pas de top ce soir. Tout le monde a répondu présent. Et ça, c'est important. Et ça, ça fait plaisir surtout. Parce qu'ils nous ont respectés, les gars. Ils nous ont respectés. Avant match, le bureau du collectif Ultra Paris, parce qu'ils n'étaient pas tous là, mais le bureau, ils les ont chauffés comme jaja, comme jamais. Et le résultat, ça a mis la fessée. La première fois qu'on met une fessée comme ça à l'OM au Vélodrome. Et ça, c'est une plaisir, c'est une grande fierté, ça, pour moi. Mais tu le sais pas, toi. Maintenant, tu le sais. Je suis joyeux. Bon, je vais m'arrêter là, parce que j'ai plus de voix. Franchement, vous avez vu, quand t'as mal à la tête, c'est un truc qui fait boum boum boum, parce que j'ai fait que de crier, la vie de ma mère. Je crois que demain, je vais refaire vraiment un vrai débrief, les gars. Je m'excuse, demain, je vais refaire un posé, parce que au calme, il faut. Bonne soirée à tous, et taille à Paris.